la 4e édition de Pédaler en sécurité, avec un parcours d'une quinzaine de kilomètres à peu près dans la région de Réduit, Moka, Saint-Pierre et ici. Donc on termine à MGI. L'objectif derrière, c'est sensibiliser la population par rapport à la route. La route est pour tout le monde. La route est pour piétons, est pour cyclistes, est pour bonnes voitures. Et donc, chacun est capable de respecter ce camarade. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de pédagogie avec le groupe qui est ici. Déjà, comment monte bicyclette bien sur la route, mais aussi attirer l'attention des voitures qui bien faire attention aux deux roues qui sont les plus vulnérables. Nous bien dire que cette activité-là, nous nous faisons avec la collaboration de plusieurs instances, et notamment le commissariat de l'Inde, son Excellence, Madame la Haut-Commissaire, Madame Singla, il nous fait le parcours avec nous. Nous tenons aussi donc dans le parcours la vice-première ministre, Madame Duncan, qui a fait le trajet avec nous. Donc merci à tous et vive le vélo. En tout cas, pourquoi le premier ministre aime bien faire ressortir que l'essentiel, c'est qu'il nous développe une communauté, une population qui est active. Alors, Active Mauritius prend plusieurs formes, la marche, la bicyclette. Alors là, aujourd'hui, c'est une activité qui m'intéresse. Moi, je suis content pour participer. Moi, j'espérais que je vais faire le parcours. En tout cas, moi, j'ai une fonction, je sais pas, on fait une partie du parcours. Mais c'est très intéressant. Moi, je m'intéressais pour continuer et me penser tout bon jeune, bizarre, adopter sa style de vie là avec une activité physique qui se bizarre adopter. Alors là, c'est un commencement. Allons voir pour la bicyclette comment ça va se passer. Well, today was one of the most delightful days since I've come to your beautiful country, this paradise island, Mauritius. I cycled with the Honorable Minister, with Mauritians, with my embassy colleagues, and I saw the beauty of Mauritius from a cycle. You know, normally I sit in a chauffeur-driven car. I don't experience this the way we should. So for me, at a personal level, it was a wonderful experience. And I want to thank the Ministry of Youth and Sports, the Honorable Minister, Mr. Stephen Toussaint, and his team for making it possible. The reason we organized this today was firstly to celebrate 75 years of India's independence. We have a two-year program called Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this was a part of that celebration. And it was to coincide with Mahatma Gandhi's Jayanti, birth anniversary, which fell on the 2nd of October. And one of the reasons we decided to do this cycling event was because Mahatma Gandhi was a very fit person himself, and he practiced what he preached. Even when he was not young, he was able to walk 40 miles a day continuously for months together. He would walk from one village to another. He would work for 18 hours a day. And when someone asked him, Gandhiji, how do you find this energy? He said, you have to be physically active and mentally sound and spiritually kind. So he did, apart from physical activity, yoga, he meditated every day. And on a day when there was a lot of work, he would say, I need to meditate more. So a sound mind in a sound body. That's the message that we want to promote through this cycling event today. And in 2023, when we finish our two-year program of activity of Azadi Ka Amrit Mahotsav, it will also be 75 years of diplomatic relations between Mauritius and India. So we hope to do a bigger event then. And as part of the cycling event, we have gifted three bicycles to three Mauritians in different age groups to encourage people to be physically active, to enjoy this beautiful country that God has given you. And I want to finish by saying that personally, I had one of the most delightful times of my life so far in this country. And I want to thank all of you for making it possible.